Bonsoir. 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 Une table pour deux. Et deux verres de rouge, s'il vous plaît. D'accord. Oui, oui. Alors, nous avons de la fricassée de gardon et du gratin de rutabaga. Parfait. Marguerite. C'est mieux que ça. C'est la guerre. Tu te rappelles à cette même période de l'année, il y a un an, on se rencontrait? Déjà, j'ai l'impression que c'était hier. Et si... Excuse-moi. Non, c'est moi, vas-y. Non, je t'assure, ça n'avait pas d'importance. Qu'avais-tu à me dire, Émile? Eh bien... Dame contrôle. Dame contrôle. Vos papiers. Schnell. Que me reproche-t-on? J'ai rien fait! Crois-moi, Marguerite, j'ai rien fait! Lâchez-moi! 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 Pas d'histoire, Marguerite Garnier. Sie mir die Nummer 312, bitte. Und schnell. Moment, er ist schon hier. Gut. Na, junger Mann. Da will sich jemand von seiner Wehrpflicht entziehen. Wisst, dass wir unsere Mitbürger nie vergessen. Und besonders die Deserteure wie du. Ausweis. Groß. Emil. 27 Jahre alt. Geboren in Mutzig am 3. September 1714. Na gut. Du wirst zur 2. Division das Reich dienen. Und dafür gehst du heute Abend zur Front. Hättest du Lust zu desertieren, werde deine Familie die Folgen erleiden. Die Marguerite Garnier. Fiancée. Die kennst du. Dein Vater ist für das Vaterland gestorben in 1918. Verehre ihn. Früher war ich ein elender Schuster, ohne Vorsicht, in der Vorort von Hamburg. Schau mal, was das Reich aus mir gemacht hat. Unterschreibe. Soldat!
Weg mit ihm. Langsam.